Tatamayo, Tatamayama Terubunto. Tatamayo, Tatamayama Terubunto. You manteruto is Obamae. Bama Saruke be pum pum. Bama Saturu dung it on Charon Chong. Bamba la boite. Julia, s'il te plaît, donne-moi une autre, je souffre. Pourquoi ta mère est située avec toi? Je ne sais pas. Je me suis déjà posé cette question de milliers de fois, sans réponse. Je propose que vous ayez une franche discussion ensemble. C'est quand même ta mère. Il n'y a plus de possibilité avec celle-là. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Ma mère s'en fout si je vais bien ou pas. C'est quand même bizarre ce qui se passe entre vous. Comment une mère peut être aussi dure avec sa propre fille? Julia, à force de réfléchir, tu risquerais d'attraper une migraine. Je vis dans cette situation déjà plus de 7 ans. Du vivant de mon père, je ne connaissais pas cette facette de ma mère. Mais depuis que papa n'est plus, je vis un calvaire total. On dirait que maman voudrait que je sois son mari. Waouh! Ton rendez-vous était tellement rapide, on aurait dit un écueil de fusée. Qu'est-ce que tu comptes faire, Anto? Mais Pat, je veux aussi me servir. Il est un peu tôt là, tu ne penses pas? Je te comprends pas. Laisse-moi aussi me servir et tu m'expliques tranquillement comment s'est passé ton rendez-vous, Naomi. Moi, je ne célèbre rien. Tu peux te servir. Si tu veux tant savoir, il n'y a pas eu de rendez-vous. Tu es arrivé en retard, n'est-ce pas? J'en étais sûr. Tu dois faire pour le type pour t'habituer à la notion de temps. Comment est-ce que tu peux arriver en retard à une surprise que toi-même tu t'es fixé? Pourquoi tu aimes les analyses bidons, Anto? Elle m'a simplement dit que ce n'est pas possible aujourd'hui. Et pour quelle raison? Elle m'a demandé de faire du présent ce qu'on veut. Donc si tu veux aussi te servir, vas-y, fais-le. Et arrête de me parler de politique, ça me saoule. Ça ne sent pas bon. Mais pour qui cette fille se prend à la fin? Elle pense que le monde va tourner autour d'elle. Les bonnes choses se trouvent au bout de la souffrance, mon ami. En politique, on cultive la patience et la stratégie parce qu'on est conscient que pour arriver au sommet, on fera face à plusieurs obstacles. Et à plus, on aura envie de lâcher à un certain moment. Mais quand l'homme politique est un fervent croyant, il ne lâche jamais. Pat, si un seul instant tu penses ressentir quelque chose de fort pour Naomi, ne te décourage pas pour si peu. Fonce. En tout cas, pourquoi tu ne donnes pas une chance à ce gars-là? Je ne veux pas une relation amoureuse pour l'instant. Ça va me freiner dans mes projets. M'investir dans une relation va me ralentir. Réfléchis bien avant de rejeter ce gars. Ça craint vos yeux qui feraient tout pour toi. Si tu l'aimes tant que ça, mettez-vous en couple. Son ami t'a jeté, non? Vous êtes deux amoureux. Il ne m'intéresse pas. Parce qu'il est pauvre. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu parles tout le temps de tes projets et comme tu veux l'argent. Je t'ai dit qu'il ne m'intéresse pas, ça suffit. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on aille dans ce snack? On pourrait la trouver là-bas? Non, merci Anto. J'ai ma dose pour aujourd'hui. Ok. Il est tard. Il faut que je parte. J'ai le boulot qui m'attend demain. Hey, j'oubliais. Demain, j'aurai besoin que tu me couvres quelques heures. Il y a une entreprise qui m'a appelé pour un entretien d'embauche. Voilà une chose raisonnable qui sort de ta bouche ce soir. Bonne chance, mon ami. Merci. Miss by my room, then I will put you. Girl,
koko poaga mandengwa oh magia wa ezwa mandengwa hey maha oh wa me oh nawa bezwa mandengwa kale ba malane mu marla epkendem magia wa. Maman, maman, c'est moi Naomi. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, ouvre-moi. Maman, si tu as de l'argent, je t'ouvre ma porte. Au cas contraire, retourne où tu viens. Demain, tu viens récupérer tes affaires. Je suis fatiguée de toi qui ne me sert à rien. Maman, tu n'as pas le droit de me fermer dehors chez mon père. Si tu n'ouvres pas la porte, je vais la casser. Essaye voir si tu veux goûter à ma folie. Libère mon passage, madame. Maman, donc comme ça tu as le courage de me botter après m'avoir laissé passer la nuit à la belle étoile. Sais-tu la douleur qu'on ressent en dormant sur un sol comme ça jusqu'au matin? Épargne-moi de tes discours ce matin, madame. Je t'ai dit ce que tu avais à faire. Et si jamais tu comptes encore dormir dans un lit de cette maison, tu sais quoi faire. Va me chercher de l'argent. Au cas contraire, dis au revoir à cette maison. Qu'est-ce qu'il te donne, maman? Qu'est-ce qu'il te donne pour que tu le préfères à ta fille que je suis? Qu'est-ce que toi, tu peux bien me donner en dehors de l'argent pour que je te laisse encore passer du temps dans cette maison? Après le décès de mon père, tu as dilapidé le peu de bien qu'il a laissé pour entretenir ce petit gars qui n'a même pas mon âge. T'es-tu déjà posé la question de savoir ce que les gens pensent de moi quand je passe dans la rue? Pourquoi tu m'infliges cette douleur, maman? N'as-tu donc plus de respect pour toi? Où est passée ta dignité? Arrête de me parler comme si tu étais mon Dieu, madame. Je fais ma vie avec qui je veux, tant que la personne me procure le plaisir que je recherche. Moi, au moins, on dit que je sors avec un jeune. Et toi alors? As-tu une relation amoureuse? Bama lan mumar la epkendem
Alebama la même mon mari la rêve qu'elle aime.